Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce poncho que je trouve hyper féminin, que j'aime beaucoup et qui, surtout, vous allez voir, se monte à une vitesse très très rapide. Voilà, alors le projet est le suivant, c'est donc ce poncho, comme vous avez pu le voir, ce poncho qui est tout simplement à la base un rectangle, un très très grand rectangle. Mon idée est que de là à là, c'est que ça correspond à l'épaule, au bras, donc ça doit faire minimum 50 cm. D'accord. On va venir le travailler de la façon suivante. Alors, ça va créer une pointe devant. Voilà. Ça, c'est la pointe que ça va créer devant votre corps. Disons que là, il y a les jambes, comme ceci. Donc, ça, c'est la pointe que ça crée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le rectangle est positionné de cette façon, il l'enveloppe, il tourne autour de votre cou et vient se repositionner là sur le début du rectangle. Donc ça va là, ça tourne comme ça, toc 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 autour de vous et là comme ceci. D'accord? Voilà. Donc on va venir coudre. Joindre cette partie-ci, elle va être là, on va la joindre là et ça va nous faire donc un poncho de cette forme-ci, bien arrondi. Waouh, quel joli dessin! Ne vomissez pas. Voilà. Alors, ma question pour l'instant, alors ça va sur les bras, bien évidemment, c'est beaucoup plus long. Hein, le dessin n'est pas contractuel, comme on dit si bien. De là à là, il y aura 50 cm, c'est ça, hein, cette distance-là, d'ici à là. Maintenant, ma question et mon envie, c'est de venir faire une bordure, quelque chose tout autour. Là, vous voyez, qui fasse un petit peu plus féminin. On verra ça, on va avancer, on verra bien ce qui se passe. On va déjà commencer par faire notre grand rectangle. Alors, le grand rectangle, pour moi, mesure 50 cm sur 115, je crois. C'est ce que j'avais un petit peu mesuré dans ma tête pour une taille, on va dire, approximativement 40. Et si on rajoutait un motif, je pense que c'est pas bête, rajouter un voire deux motifs par taille supplémentaire. Voilà. Bah, écoutez, c'est parti, on va commencer avec notre petit départ, notre petite chaînette. Nous allons donc à présent faire une chaînette multiple de 8 plus une et que ça atteigne donc les 50 cm hein, dont on avait besoin. 50 cm étant du coup à approximativement quelque part par là. Si vous êtes très très grande, vous êtes plus petite, augmentez ou diminuez, mais n'oubliez pas qu'il faudra faire un multiple de 8 plus 1. Alors c'est parti, je vous rejoins quand ma chaînette est faite. Ah oui, crochet 5, pardon. Voilà, je vous laisse une petite seconde. Vous pouvez faire pause hein, si vous en avez besoin du graphisme, du graphique, du diagramme. Et nous, c'est parti. Allez, maintenant que nous avons fini notre chaînette, nous allons rajouter une maille et nous allons venir repartir avec de la maille serrée sur la totalité de notre rang. Voilà, le premier rang sera de la maille serrée et c'est uniquement rang de maille serrée sur cette partie de l'ouvrage. Allez, on se retrouve en fin de rang avec notre rang de maille serrée à de suite. Voilà, je termine donc ma maille serrée qui est la plus une, hein, de ma série de 8 mailles plus une. Donc maintenant nous allons faire une maille en l'air et on va tourner le travail. Dans la première ici, nous allons faire une maille serrée, une maille en l'air. On va venir compter 3 mailles. Dans la quatrième, nous allons faire 3 brides au même endroit hein. Donc
une première, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air et nous refaisons au même endroit trois briques. Donc une, deux et trois. Une maille en l'air. On vient passer donc nos trois mailles, une, deux, trois. Dans la quatrième, ici, on vient faire une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Nous allons à présent passer trois mailles. Dans la quatrième, nous allons faire trois brides. Donc une, deux, trois. Une maille en l'air. Dans la même, on refait trois brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air. On passe trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième maille serrée. D'accord? Donc, ces séquences, on va les répéter jusqu'en fin de rang. On se retrouve en fin de rang. Arrivé en fin de rang, nous venons faire donc notre maille en l'air et dans la dernière, ici, notre maille serrée. Maintenant, nous allons faire une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première, on vient faire une bride. Comme ceci. Suivi de trois mailles en l'air. Une, deux, trois. On va venir au centre, ici, faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Ici, où nous avions fait la maille serrée, nous allons faire une bride. Séparée de trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Au centre, ici en haut, une maille serrée. Une, deux, trois. Dans la maille serrée, ici, nous allons faire une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord? On se retrouve en fin de rang. Lorsque nous sommes à la fin du rang, après nos trois mailles en l'air, on va venir dans la maille serrée, comme tout à l'heure, faire donc une bride. Voilà. Nous venons donc de finir notre deuxième rang. C'est un motif qui est sur quatre rangs. D'accord? Allez, c'est reparti avec une, deux, trois mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va créer des demi-motifs. On va venir faire ici quatre brides. Donc, une, deux, trois et quatre. On fait une maille en l'air et ici, dans la maille serrée du rang précédent, nous venons faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et on recommence maintenant les mêmes séquences que le premier rang, c'est-à-dire ici dans la bride, on vient faire trois brides, donc une, deux, trois, une maille en l'air, suivie de trois brides, donc une, deux, trois, une maille en l'air. Dans la maille serrée ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air. On repart à faire un motif ici dans la bride. Donc, trois brides, une, deux, trois, maille en l'air. On refait trois brides, donc une, deux, trois, une maille en l'air, ici une maille serrée
et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord ? En fin de rang, nous ferons notre demi-motif pour être bien symétrique. Nous voici donc à la fin de notre rang où nous avons, après la maille en l'air, nous allons venir faire dans la dernière maille ici nos quatre brides. Donc une, deux, trois et quatre. Comme ça, on est bien symétrique avec ce que nous avons fait en début de rang. D'accord ? Là maintenant, on va faire le quatrième rang qui va être la base, qui va être le dernier rang parce qu'après, ça sera simplement des rangs de répétition. Alors là, nous faisons donc une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, nous venons faire une maille serrée, ce qui correspond à ça. Hein. Vous voyez en bas là, on a fait le demi-motif, donc là on fait la maille serrée. Donc notre maille serrée ici, une, deux, trois mailles en l'air, on vient dans la maille serrée faire une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la pointe du motif, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille serrée précédente, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la pointe du motif, une maille serrée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, après la bride, 3 mailles en l'air. Après les 3 mailles en l'air, nous venons donc ici dans la dernière faire notre maille serrée. Là, nous faisons une maille en l'air. On vient tourner le travail. Et maintenant, on repart exactement sur ce que nous avons fait dès le début. C'est-à-dire, une maille serrée juste ici. Maille en l'air, ici nous faisons nos trois brides, une, deux, trois, on fait une maille en l'air et trois brides juste ici. Et on recommence tout simplement la séquence du premier rang, hein, on va reprendre ça. Alors, voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, on est bien dessus, au même endroit. On reprend exactement les mêmes choses. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir, même si ce n'est pas du grand air, que nous recommençons exactement ce que nous avons fait là. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Là, nous repartons donc avec maille en l'air. Ici, les trois brides. Maille en l'air, trois brides, maille en l'air, maille serrée dans la maille serrée, maille en l'air, trois brides, hop, maille en l'air, trois brides, maille en l'air et maille serrée. Et là, on repart sur ce rang-ci qui était donc une, deux, trois mailles en l'air, une bride ici, une, deux, trois mailles en l'air. Maille serrée ici, une, deux, trois mailles en l'air, et ainsi de suite. C'est simplement répétitif. Vous avez donc quatre rangs, donc celui-ci, 1, 2, 3, 4, à répéter constamment pour monter votre ouvrage. Personnellement, j'ai choisi, comme je vous ai dit, de faire 115 cm. Je vous conseillerais, donc c'est sur une taille 40-42, approximativement. Vous faites un motif complet, comme ça, par taille supplémentaire. Vous faites des essais, hein. Si c'est trop grand, vous redéfaites. Enfin, comme vous avez pu voir, ça va très très vite. Ça va pas être une perte de temps phénoménale non plus. Ok, donc moi je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 115 cm. Je vous dis à de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout le poncho, hein, le grand rectangle. Maintenant, il va falloir le coudre. Alors, pour le coudre, c'est pas compliqué. Vous allez prendre, alors, vous mettez votre rectangle dans ce sens, dans le grand.
en sens, voilà, vous voyez, il est très, très, très grand. Donc, vous prenez une pointe, la pointe supérieure, et vous venez la mettre sur le bas, comme ça, hein. Vous la descendez, vous la tenez dans votre main. Vous prenez le côté opposé, et vous allez venir, alors, prendre le bas. Voilà, oui, ça c'est votre rectangle, il est là, comme ceci. Là, vous allez venir prendre le bas, ici, et vous le mettez sur le bas là. Là, c'est le haut en fait, hein. Ça, c'est le haut, ici. Vous l'attrapez le haut du côté droit, vous le baissez vers vous, et vous prenez le bas du côté gauche, et vous les mettez ensemble. Voilà, et ça va être cousu comme ça. Et là, vous allez coudre, donc, sur toute la longueur, comme ceci. Et là, vous allez avoir donc votre col. Je répète, alors, je vais le faire avec un petit papier. Voilà, regardez, ça, c'est votre rectangle. Vous allez prendre le haut ici, et vous allez venir comme ceci. Voilà. Le haut ici va avec le bas ici. Et ça, vous allez le poser là, comme ceci, voilà. Et là, vous allez venir coudre comme cela. Alors, on va faire un petit pli. Voilà, vous comprenez? Regardez, on ouvre, hop. Le haut là et le bas de là, on les fait se rejoindre et là vous allez coudre toute la longueur, tout ça, c'est ce qu'on fait de suite. On prend notre aiguille à laine, on prend notre fil, donc on les pose l'un superposé à l'autre, voilà, et là, bien écoutez, on va se mettre à coudre tout simplement les deux parties comme je vous ai montré sur le papier. Je suis un peu lourde, hein, je suis désolée, mais je veux pas vous laisser sans bonne information. Il n'y a rien de pire que de regarder un tuto et de se dire mon Dieu, j'en suis arrivée là, tout ça pour rien, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc je préfère être un peu lourde, mais au moins vous comprenez ce qui se passe. Allez, donc là on rentrera le fil après, on va venir tout simplement coudre sur toute la longueur, sur les 50 cm. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait à dessus. Voilà, donc la couture est faite, comme vous voyez, ça a créé donc le fameux col que nous avons ici. Ok, donc le col il est là. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est de venir prendre le contour ici, vous voyez, hop, on tourne là, en fait toute cette partie là, et de venir faire une petite bordure. Donc là, pour ma part, je vais partir de la pointe. Ça, c'est la pointe qui va être vers vous, ok, devant, vers vous ici, voilà, ici. Donc je vais venir travailler dans ce sens. Donc je vais venir prendre mon travail et je vais me mettre comme ceci. Donc je prends ma pointe, je récupère mon fil, je le rentrerai après, hein. Là je vais venir faire deux fois le fil sur le crochet, et puis là vous voyez, vous aviez le motif avec la pointe là où vous aviez fait les brides. Vous allez piquer à l'intérieur et vous allez faire trois doubles brides. La première, hop, on recommence. La deuxième, et la troisième. Une maille en l'air, et on refait trois doubles brides exactement au même endroit. Donc, une première. Une deuxième et une troisième. Ok, là nous faisons donc
entre les deux motifs, ici, en plein milieu, une maille coulée. On prépare une double bride deux fois le fil sur le crochet. Dans la pointe ici, on fait trois doubles brides. Une, deux, trois mailles en l'air et trois autres doubles brides dans le même espace. Une, deux, trois. On vient repérer le demi-motif suivant qui est donc ici. Donc entre les deux, en plein milieu, ici, on vient faire une maille coulée. Et on recommence exactement pareil, d'accord? Donc ça, vous allez le faire, ben écoutez, sur la totalité du tour de la longueur de votre... au même endroit, hein, vous restez sur le même pan, vous faites toute la longueur. On se retrouve une fois qu'on a fait tout le bord. À de suite. Donc voilà, une fois que j'ai fait quasiment tout le tour, on est parti d'ici. Hein. Ici, c'est donc la pointe. Tac, 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 tac. Là, on a fait quasiment tout le tour. Là, je me retrouve, vous savez, sur la partie de la pointe. Là, c'est le début du travail, vous voyez, où il y avait les mailles serrées. Alors, on va plus être sur le même rythme, puisque là, nous avions trouvé un rythme qui allait bien. On va travailler à l'envers, vous voyez, le motif, ben, c'est le même, mais c'est quasiment à l'envers. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici créer un motif sur la pointe. Voilà, donc, j'ai changé le crochet, mais c'est la même taille, hein. Deux, trois doubles brides, une maille en l'air et trois doubles brides au même endroit. Voilà. Alors, nous allons venir donc faire ici la maille serrée et nous allons entre les deux, donc ici, faire nos doubles brides. Donc la première, la deuxième, la troisième, maille en l'air et nous reprenons au même endroit les trois autres doubles brides. Et la dernière, voilà. Ok. Donc c'est ici que nous faisons notre maille serrée. D'accord, nous sommes donc à l'opposé, hein, vous voyez, par rapport au motif de initial. Eh bien, et on recommence, double bride en plein milieu ici. On fait nos motifs et on fait ça donc jusqu'à la fin, ou jusqu'au début du rang en fait, hein. On se rejoint ici. Nous voici donc à la fin de notre... C'est la pointe, hein. Nous sommes ici à la pointe et nous allons donc faire dans la pointe ici un motif. Donc une, deux, trois, une maille en l'air. Une, deux, trois, et nous allons venir dans la pointe ici faire une maille coulée. Voilà, comme ça nous terminons notre pointe. Alors vous pouvez tout aussi bien évidemment faire un rang supplémentaire,
en prenant pour exemple ce que nous avons fait là, hein, c'est-à-dire partir sur trois mailles en l'air, une bride, trois mailles en l'air, une bride, et refaire des rangs et des rangs, ça c'est à vous de voir. Moi, pour l'instant, je considère que ça correspond à ce que je voulais, donc je fais des mailles coulées pour pouvoir venir ici, couper mon fil, rentrer mon fil. Bien écoutez, pour ma part, je vais rentrer mon fil. Donc pour ma part, j'aimerais bien faire un petit tour de colle. Donc je vais venir, vous avez vu, ça fait un V là en plein milieu ici du V. Je récupère le fil, hop, comme ceci, une, deux mailles en l'air, et je vais venir faire 5 demi-brides au même endroit. Une, deux, trois, quatre et cinq. Et bien là, on va venir au milieu, encore une fois, hein, ici, on va venir faire nos cinq pareilles demi-brides. Donc, une, deux, 3, 4 et 5. Maintenant, on vient justement ici, dans le demi-motif, faire les 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence comme ça. On va venir maintenant en plein milieu ici. Faire les 5 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on refait 5 demi-brides. Donc, 1, 2, 4 et 5, et on fait comme ça, écoutez, jusqu'à la fin du rang. Chaque fois, on va faire 5 demi-brides pour former, pour venir habiller le col, d'accord, là-dessus. Voilà, là nous arrivons donc à la fin. Donc ici, je dois faire mon motif. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais venir ici faire ma maille coulée. Je coupe mon fil, je récupère mon aiguille. Et on va faire une petite finition assez propre. On prend la dernière maille et on vient joindre le tout comme ceci, de façon à ce que ce soit équivalent, hein. Voilà, donc là notre col est terminé. Je vais venir plus bas, bien évidemment, rentrer le fil ici. Alors voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Là, vous ne pouvez pas voir l'ouvrage en entier. Donc, bien sûr, je vous fais des photos pour que ce soit plus facile pour vous de visualiser ce que j'ai fait. Si ce petit pas à pas vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.